la chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo Lapinou du mercredi. Ah oui, il faudra peut-être que je vous montre l'image, même si, bon, certains ont déjà deviné. Il s'agit de mes Lapinous d'automne. Donc, on est toujours dans le ciel, par là. Voilà, on a Piu-Piu qui est là. Donc, on est par ici. On va essayer de finir cette zone-là. Puis de continuer notre avancée pour petit à petit arriver au bout de la toile. Alors, là, j'ai pas pensé. Je vais basculer le surplus de toile par là au niveau des pinces. Parce que sinon, en dessous, ça va être compliqué. Ensuite, ah non, c'est ma toile que j'ai mise pas droite dans le cadre. Donc, je pourrais rien faire là pour le coup. Nous y voilà. Alors, on est dimanche. Je suis un petit peu en avance pour mercredi. Je viens de boire mon café. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout. Je n'ai même pas encore lancé ma lessive puisque je ne sais pas où sont les affaires de piscine de Lilouen. Donc, je vais lancer la lessive à 10h quand elle sera enlevée. Je viens de les punir d'ailleurs. Il était à peine 9h parce que là, il est 9h. Combien? 10. Il est à peine 9h que déjà elle mettait la... Elle faisait le bazar. Je dis là, non, c'est pas possible, vous arrêtez. En train de hurler, de se disputer, je dis bah, c'est très bien, vous n'êtes même pas censé être levé d'eau. Maintenant, vous retournez au lit jusqu'à 10h. Hop, on va faire simple. On va aller fêter l'anniversaire chez mamie en plus tout à l'heure. Ah, faut que je vous raconte le tour de force. Alors, je vous en parlais dans la vidéo d'hier matin. J'ai tourné quoi? Les rives de Jade, je crois. C'est ça. Donc, vous avez vu hier. Je vous disais qu'on allait commencer à ranger le garage. Histoire de pouvoir remettre la voiture de Jérôme dans son garage. Mais, je vous mets en pause mouchoir et je reviens. Et je suis trop forte, au lieu de relancer la vidéo, je l'ai arrêtée. Je me suis trompée de bouton, mais c'est pas grave. Tant pis, de toute façon, j'avais pas dû filmer longtemps. Mais c'est ça, c'est je sais pas combien de temps j'ai filmé. Ouf, pas longtemps, sûr. Je pourrais aller regarder, moi j'ai la flemme. Et du coup, je vous disais dans la vidéo hier matin qu'on allait... commencer à ranger le garage un petit peu le matin et qu'on verrait peut-être et que j'aurai peut-être le temps de broder un peu le soir quand on serait rentré du festival manga auquel on allait l'après-midi puisque Tachou était un anniversaire. Alors Tachou est revenu enchanté de son anniversaire, ça c'est parfait. On a tellement bien avancé le matin qu'en rentrant de l'anniversaire. Alors, en rentrant du festival où on était, allez, on s'y remet, on a vidé l'étagère garde-manger. Si vous situez un peu Ikea, c'est une Kallax 25 caisses qu'on a en garde-manger. C'est très très pratique d'ailleurs. Et donc on l'a vidé. On a réussi à déplacer le congèle, mais sans aucune difficulté, dans le sens où... comme c'est un grand congélateur bahut, pour garder de l'ordre dedans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des caisses en plastique à action et que tout est rangé dans des caisses en plastique à couvercle. Donc, j'ai un qui commence à essayer de le déplacer qui dit c'est dur. Mais pourquoi on n'enlèverait pas d'abord les caisses de dedans hein? Peut-être que... Et en fait, il m'a dit, ah, pas bête, j'y avais pas pensé. Mais c'est pour ça que je suis là. Et pour le coup, voilà. On a vidé le congèle en 2 secondes. On en a profité pour enlever la glace, hein, parce que ça glace toujours un petit peu. Et on l'a déplacé sans aucun problème. Alors j'ai une petite abonnée qui m'avait dit qu'on pouvait trouver des coussins pour soulever justement les meubles lourds à action, pour les faire glisser plus facilement. J'ai pas trouvé chez nous. J'ai regardé, on n'a pas trouvé. Hein. Mais c'est pas grave. On n'a pas eu de mal finalement à le déplacer. On a remis notre allonge qu'on a accroché
le long du plafond pour qu'elle ne tombe pas sur les pieds. Donc ça, c'était parfait. On a dormi dedans, évidemment. Et bah du coup, pour finir, il est parti. On a vidé l'étagère. Et pendant ce temps-là, il lui rangeait les anciennes poussettes dans l'abri de jardin. Enfin, il en rangeait. Je crois qu'il les a surtout entassées. Mais bon, genre, je viderai tout et je rangerai comme il faut. Mais ça, c'est l'éternelle histoire de ma vie. Et après, on a. Bah, lui, il est parti. Enfin, on a déplacé l'étagère, il est parti, j'ai commencé à ranger. Et finalement, quand il est revenu, j'avais tout fini. Le garage était rangé, balayé. Nickel. Et il a pu ranger sa voiture. Et donc là, on est tout content parce qu'on a tout fini. Alors, je vous accorde que j'avais vraiment mal partout hier soir. Ce matin, c'est un peu raide, mais ça va. Mais. À faire des allers-retours dans le garage, d'un garage à l'autre et tout ça, bah, je me suis tapé mes 10 000 pas dans la journée, hein. Que je fais pas forcément quand on est en mode repos à la maison. Au boulot, oui, je l'ai fait assez régulièrement. Ça dépend du nombre d'heures de cours que j'ai, ça dépend de la salle où je suis, ça dépend de plein de choses, hein. Mais là, pour le coup, je les ai fait. Donc, je suis contente. Alors, je perds mes cheveux de partout. Donc là, ce matin, c'est repos, broderie. Et après, on ira chez ma belle-mère pour fêter l'anniversaire des Fifi. On en a trois à fêter. Il y a Lilouane, Maëlouane et la cousine Anaïs. Bon, Maëlouane, on entendrait à nouveau parler. C'est pas tout de suite son année, c'est le 2 novembre. Mais ma belle-mère aime bien goupir. C'est plus simple. On a même vu quand est-ce qu'on irait chez Ikea pour acheter les étagères qu'elle veut offrir aux filles. Ce qui nous permettra à nous de rebasculer aussi, de changer deux, trois bricoles. Enfin, changer. Basculer certaines étagères différemment. Alors, je vous cache pas que j'ai le support de caméra juste au niveau du front. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave. Hein. Et on est matin, donc je suis encore bien prise. Ben, ça va le faire. Il fait beau, je vous dis. Il fait vraiment. On a un magnifique soleil déjà. Donc, je vais pas avoir les mêmes soucis qu'hier avec la caméra qui saute puisque j'ai beaucoup de lumière. C'est fou, hein. Il fait même chaud. On n'a pas allumé le chauffage, hein. Je suis en t-shirt. Regardez, je suis en t-shirt. Hein. Et ici, où? Moi, je viens de prendre mon café, c'est pour ça que je passe en mode digestion. Ah, ça va être pénible cette gorge qui gratte. Va-t-on réussir à finir? Non, on n'arrivera pas à finir les 3 points avec ce petit fil. Ah, quoique. Là, on va aller au bout du bout du fil et on aura réussi. Je vous propose qu'on fasse piou-piou. Ça vous tente? Non? Eh ben, c'est pareil. La fille, pas chiante. On va faire piou piou. Alors, pour faire piou piou, il nous faut les fils. Voilà. Désolée pour le bruit de la pochette. Donc il nous faut le rouge, c'est du 21 déjà. Donc on va prendre le 21. Parce qu'on va commencer par celui où il y en a le moins. Comme ça.
Et puis après, je vais mettre mes fils de l'autre côté. Ah si, là j'ai un peu de rouge au passage, on va le faire. Tac, et viens là. Mais ouais, on est très très content de travailler. Le travail a battu hier. Ça fait du bien. Ah. Ouais, ça doit passer. Parce que j'ai un fil qui n'est pas bien passé encore. Voilà. Oh, si mon point se défait par en dessous, ça va pas le faire, hein, on est d'accord. Hop, donc ça c'est le bec de notre piou-piou. Après, on va lui faire les yeux et les papattes. Mais d'abord, je vais aller finir mon petit fruit ici. Chercher mon coupe-fil. Heureusement qu'il est accroché celui-là. Hein. Pas du tout bien positionné là. Avec la caméra devant le nez, c'était pas l'idée du siècle. Faudrait que je repositionne ça différemment. Ça ne va pas du tout, les amis. Bon, ça, c'est depuis que je l'ai déménagé de l'autre côté. J'arrive pas à la remettre comme elle était avant. J'ai l'impression que ça floute et comme j'arrive pas à voir l'écran puisque j'ai la caméra devant le nez, c'est compliqué. Non, ça va, ça a l'air d'être bon, je sais pas. Je vois pas l'écran en entier, je vois, c'est le bazar. Non, en fait, je vais essayer de repositionner tout ça et je vous reviens. Voilà, déjà j'ai pu, j'ai un peu plus de visuel, c'est mieux. On essaye de faire ce qu'on peut. Non mais je sais pas, là j'ai rebasculé différemment, ça m'a l'air pas trop mal. Enfin en tout cas j'ai plus le truc dans la tronche, ce qui est déjà pas mal. En soi c'est bien, hein. Voilà, par contre là elle floute à mort. L'éternel problème de ma vie. Régler la caméra. En cas de doute, on resécurise le fil. Si on arrive à planter l'aiguille dans la toile, hein, c'est toujours mieux. Je n'y arrive pas. Quel que soit l'endroit, j'arrive pas. Mais comment se fait-ce? Voilà! Je vais mourir. Non, je rigole. Hop, et on va repositionner le fil ici. Allez, pas la lumière, si elle est bien mise pourtant. Hop, ensuite, le bleu, c'est le vin. Donc là, c'est pareil, on va faire le bleu, oui, bien sûr. Le bleu du piou-piou, et après, on ira positionner le fil dans les branches à côté, hein. Est-ce que ça, je peux faire? Oui, du coup, je peux peut-être
la baisser et lever un peu plus. On sera. Bon, alors là, du coup, je me retrouve dans la même position que tout à l'heure. Avec la caméra sous le nez. Hein. Mais comme ça, on sera peut-être pas trop mal en termes de hauteur. Parce que si je suis trop près, ça floute. Et si je suis trop loin, ça floute aussi. Bah oui, sinon c'est pas drôle. On va voir un petit peu plus jaune. Je vais te regarder. Enfin, le 24, c'est du jaune. 26. C'est du marron un peu plus chaud que les yeux. Pardon. Va être compliqué ce matin. J'avais toussé. Mais bon, ça, c'est. Entre les poussières du boulot, l'humidité, le fait que je doive régulièrement forcer sur ma voix, bah forcément. Au bout d'un moment, ça se paye. Hein. Hop, l'extinction de voix est reconnue comme maladie professionnelle. Peut-être, je ne sais pas. Non, c'est bon, elle n'est pas éteinte. Hein. Mais. Je reviens parce qu'à un moment donné j'arrive. Voilà, problème réglé. Hop, ça va être plus calme. Ah mais non, en vrai c'est dans mon bureau qu'il fait chaud parce que comme je suis en plein soleil, je cuis. Le reste de la maison ça va, c'est correct. Voilà. On va faire piou-piou. Puis après, en reprenant, on va faire un petit peu le fond autour de piou-piou quand même. Oh. J'allais dire pour le verre, j'en ai pas beaucoup, mais si après, je vais le mettre sur le bord de ma. Sur ma bordure. Donc, pas de soucis. Ah non, alors toi, si tu te mets à aboyer, tu vas aller visiter le garage 2 secondes. Hein. Ah 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 oui! À me parler sur un autre temps, jeune chien. Va t'arriver des bricoles, toi aussi. Hein. Non, mais me parle mal. Sérieux, a-t-on vu ça? Hop. C'est marrant, parce qu'on a le piou-piou là et le chat là qui dort, qui va pas essayer de bouffer le piou-piou. Ou alors on a le piou-piou qui est en train de narguer le chat. C'est possible. Alors, du coup. Ah non, j'ai dit. Que j'enlevais pas le fil, que j'allais directement le placer sur mes branches. Hop. Comme ça, j'ai pas de petits fils, même si ce sont des grands, qui traînent sur l'organisateur. Alors, on va faire le orange. Orange, j'ai dit que c'était quoi? C'était du 13. 13. Hop. C'est vrai que toute cette toile est dans des dégradés de teintes chaudes. On a un tout petit peu de bleu et de vert, mais vraiment. Hop, c'est une toile avec des teintes très 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 joyeuses en fait. J'aime beaucoup. Être beau mon piou-piou. Et vous savez quoi?
plus, je reprends cette toile. Donc là, c'est la deuxième fois, je crois, que je la reprends pour la vidéo du lapineau du mercredi. Et franchement, je regrette pas. Je m'éclate sur cette toile. Donc, je suis très très contente. C'est vrai qu'elles vont pas forcément beaucoup avancer chaque semaine. Mais après, c'est ce que je dis, chaque avancée qui est faite est une avancée et c'est un pas vers... Un pas de plus vers la fin de la toile. Après, je ne m'interdis pas évidemment de les reprendre en dehors si j'ai le temps. Mais le problème, c'est ça, c'est le si j'ai le temps. Et que le temps, je ne l'ai pas beaucoup. Mais, on va y arriver. Hein? Moi, je me fais confiance. À un moment donné, je vais en prendre une, je vais l'avancer en dehors. Et puis, elle va avancer comme ça. Hein? La semaine dernière, c'était le village des lapineaux. J'adore aussi. J'ai hâte d'avoir fini le ciel. Bah, là aussi, finalement, on est dans le ciel. Mais techniquement, il ne me reste que ça de ciel. Je dirais que la moitié de la toile, donc ça va. Somme toute, hein, tout va bien. Non, mais c'est une toile qui peut vite avancer si je la prends. Le problème, c'est lui aussi. Je manque beaucoup de temps, malheureusement. Mais ça, je pense que c'est la maladie du siècle. Pardon. On manque tous de temps, on aimerait pouvoir faire plus et on n'a pas... Les journées passent trop vite, que voulez-vous? Déjà, il y a tous les temps de trajet, de transport, d'aller-retour, etc. qui est peut-être pas dans le temps, enfin dans le temps si. Ça dépend de quel temps on parle. Hein. Mais bon. Les gens n'avaient peut-être pas aussi autant de temps libre que nous dans le temps. Donc, on va pas trop se plaindre non plus. On n'est pas malheureux, loin de là. Mais c'est vrai que j'aimerais avoir plus de temps à consacrer à mes toiles. Mais, eh ben, on fait avec. La question que je me pose, c'est je commencerai bien le vert pour revenir là et faire le tour du piou-piou. Donc on va faire le 24 avant. Parce que ça me tente bien de partir comme ça. C'est beaucoup plus logique dans ma tête. Donc, je vais aller. Je vais commencer par faire le 24 du piou-piou et ensuite on ira chercher le 26. Donc 24. Comme ça va nous permettre de changer de couleur. Enfin, disons que ce sera pas tout à fait le même orange que le fond. On aura fait d'autres couleurs que du fond et puis on reviendra sur le fond quand on aura fait notre vert. Hein. Pardon. Mais ça nous aura changé un petit peu. Je pense que je vais broder encore après la vidéo, mais je sais pas. En fait, je suis en train de me dire que j'emmènerai bien les lapineaux chez ma belle-mère pour au cas où, s'ils décident de jouer après le repas, je sors ma toile. Et s'ils ne jouent pas, bon, c'est pas grave, hein, je leur emmène pour rien, ça c'est pas gênant. Et puis du coup, après, je me remets sur une grande toile. À savoir laquelle. J'ai les trois là derrière moi, je me suis penchée pour regarder. Ça, je finis ma rose des 12 épouses. C'est une bonne idée en fait, parce que là, les pieds ils sont réglés pour les 12 épouses.
donc je pense que c'est une excellente idée. On va partir sur ça. Les 12 épouses de Spring. Samedi prochain, il n'y a que Lilouane qui a un anniversaire. J'aurai donc tout le temps normalement de vous filmer la case du 50 en cours que je n'ai absolument pas touchée, à part en vidéo. Mais bon, c'est une case, j'avais dit que c'était une case de fond aussi, il me semble. Donc ça va rouler. Pardon. Pour le reste, on verra. Reforme mon piou-piou. Au moins, j'aurais fait un élément. Parce qu'on peut pas dire que le ciel soit un élément à lui seul, hein. Mais ouais, je pourrais, si on joue bien, enfin si il joue, moi je pourrais me poser avec ma petite toile. C'est la chance que j'ai, c'est que tout le monde sait que je ne suis pas du tout joueuse, donc ne me force pas à jouer. Parce que bah, ils savent que j'aime pas ça, donc de toute façon c'est une bête. Ah ah, je l'ai tapé, mais elle est tombée où? Bon, je la reverrai bien. Je la retrouverai, la bête. Donc voilà, il y a beaucoup de respect, ça se passe très bien. Comprennent que j'aime pas jouer donc et ils comprennent que j'aime broder donc c'est pareil. Elle est European Tone que j'ai en 11 comptes. Celle-là, c'est ma belle-mère qui me l'avait offert il y a pas loin de 3 ans maintenant. Avant même qu'il y ait qu'on la voit partout en fait. D'ailleurs, on va la reprendre avec les filles. On va la reprendre en trio avec Laure et Myriam, puisque elle fait partie des toiles un peu oubliées, donc oui, j'aimerais beaucoup l'avancer. C'est ce qu'on se posait la question, est-ce qu'on va la continuer? Enfin, je me suis jamais posé la question de savoir si j'allais la continuer. Évidemment que je sais que je veux impérativement la continuer parce que je l'aime cette toile. C'est vraiment, ça a été un gros coup de cœur quand je l'ai découverte sur AliExpress. On l'avait regardée avec maman et je regrette pas de l'avoir prise. Par contre, si j'ai un regret, enfin, de l'avoir prise. Moi, je me la suis prise en 14 comptes et ma belle-mère me l'a prise en 11. Le seul regret que j'ai, c'est que à l'époque, elle n'était pas encore sortie en Spring. Enfin, si, elle y était sur AliExpress, mais elle était horriblement chère. Vous m'excuserez. J'ai mal. Donc, pour le coup, voilà. Je ne l'ai pas en Spring. C'est un de mes petits regrets, finalement. Je crois que j'aurais préféré l'avoir en Spring. Mais bon, je vais la faire. Quand j'aurai fait mes deux toiles, peut-être que je me retenterai par la Spring, je ne sais pas. C'est pas... On verra. Pas d'urgence, pas de... Hein. Hop. On va avoir fini Piu-Piu. Pas Piu-Piu. L'intérieur du ventre de Piu-Piu et il est... Ouais, ça fait 27 minutes, ouais, c'est bon. On va avoir le temps aussi de faire le tour du piou-piou en vert. Enfin, en vert. C'est du marron. Ça va être chouette, ça.
Donc cette toile, c'est une Mona Lisa. Et elle est hyper plaisante à broder, elle aussi. J'adore. Finalement, j'aimerais beaucoup trouver cette toile en 14 comptes, puisque j'en ai une en 14 comptes, avec la même conversion que je vous ai montrée. C'est ma toile ourson qui vient de chez Joyeux Tom. J'adore. Et là, non, j'ai placé mon fil. Parce que je pourrais mettre un microfil comme ça sur mon organisateur. Oh là, non. Faut que je regarde quand je vais vous mettre en ligne l'unboxing. Bon, il faut déjà que je le monte. Ah, c'est ça. Je voulais regarder si je vous avais mis l'unboxing en ligne avec la première toile KS, la petite que je me suis achetée. Et sinon, j'ai ma deuxième là que j'ai reçue et qui est. J'ai pas d'autres mots. Et donc j'ai fait l'unboxing et je veux la commencer. Mais vraiment là, je brûle de commencer. D'avenir. Allez, patience. Voilà, maintenant on va chercher le vert. J'ai dit que c'était quoi comme couleur? Ah, j'ai vu tout à l'heure. Voilà, j'ai vu là dans l'arbre 26 que vous ne voyez pas l'arbre. On va commencer par mon petit fil. Pardon. Donc on va faire cette petite zone là déjà. On va commencer tranquillement dans l'arbre. Ça, c'est pas l'arbre, bon, j'ai des bêtises, c'est le toit de la maison. On commence pas dans l'arbre, on commence dans le toit. Mais c'est pas grave, hein, tout va bien. Pendant que je commence, que je continuerai ma fleur sur la toile des 12 épouses, je vais en profiter pour regarder la vidéo de ma petite Laure. Va être chouette ça. Puisque aujourd'hui est dans notre duo, donc je vais avoir sa vidéo de début. J'ai hâte d'aller la voir. Enfin, j'ai hâte. Oui, j'ai hâte, mais d'un autre sens, je continue d'abord cette vidéo-là avant d'y aller. J'ai encore un petit quart d'heure tout de suite maintenant. Et après, 5 minutes après. Oh, je vais décaler de 5 minutes l'heure du lever des filles, c'est bon. Vu le bazar qu'elles ont déjà tapé un tout petit peu, qu'elles se lèvent à 10h ou 10h05, ça changera rien. Sachant que Maëlle ne va encore pas faire de sieste aujourd'hui puisqu'on sera chez sa grand-mère. Maëlle, si. Elle, je la couche, elle n'a pas le choix, elle va au dodo. Mais Maëlle, non, je ne la couche pas. Et il me faudra le deuxième fil, évidemment, pour aller sur Piu Piu. Mais c'est pas grave, au moins. J'aurais complété encore un petit peu par là. C'est bien aussi, hein, mine de rien.
Un dernier point. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Pour ceux qui se souviennent, qui se rappellent, qui regardaient ça dans leur tendre jeunesse, ils ont commencé à refaire la série animée Ranma 1,5. Donc ils ont quand même, enfin ils ont réadapté la série toujours en anime. Je crois que c'est sur Crunchyroll qu'on a regardé ça avec Chéri. Donc on a vu le premier épisode, je sais plus, la semaine dernière. Quand est-ce qu'on s'est regardé ça? Oh, je sais plus. Mardi peut-être bien. Ouais, ça doit être mardi qu'on a regardé ça. Eh ben franchement, ils l'ont bien bien refait. Hein. Franchement, ils l'ont bien remis à jour. Elle est très très bien faite. Les graphismes sont très beaux. Ça n'a rien perdu du charme d'antan. J'étais contente. Donc on regardera. Bah, le deuxième épisode doit sortir cette semaine, je pense. Où il est sorti, bon, on le regardera mardi tranquillement. Ce soir, c'est Supernatural. Je voulais regarder la saison 15 et puis Chérie m'a dit oh, je les ai pas vus ceux-là. J'ai dit, t'inquiète, viens, on se les remate du début à la fin. Vraiment très très bien faite comme série. Donc, j'aime bien. Donc là, on est de retour sur la saison 1. On avance, on regarde 2-3 épisodes tous les dimanches soirs. On a nos jours. Hein. Chaque jour son petit programme, histoire de changer. Chaque soir plutôt, hein, parce que la journée. Par exemple, le jeudi soir, c'est Stranger Things. On est à la saison quoi? 3 ou 4? 3, je dirais. Je sais plus. Oh, faudra que je demande. Ouais, ça doit être 3, je pense. Et puis, non, elle est pas mal. Bon, il y a tout un passage que t'es pas forcément obligé, à mon sens, mais bon. Pour ceux qui suivent la série, le passage chez les Russes, je vois pas. Bon, j'ai pas encore fini la saison. Peut-être que. On se rapproche quand même là, petit à petit de la fin. Ça va, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a en cours, en série? Ben, je sais plus. Le lundi et le samedi, on se prend pas la tête. On garde. Donc le lundi, c'est Kaamelott. Et le samedi, c'est la petite histoire de France. Le vendredi soir, ben, on regarde rien parce que je suis au téléphone. Le mardi, ça dépend si l'émission de la 5 est intéressante ou pas. Souvent, c'est des trucs de consommation qui mettent en lumière certains produits. Donc que ça on aime bien regarder, mais après ça dépend de l'émission. Donc si, le jeudi c'est Spy Family, sauf que là ça va être, je crois que la saison est finie. On a fini la saison 2, je sais pas si la 3 est sortie. Oh, sinon je m'en fais pas, hein, trouver autre chose. Et le dimanche après-midi, souvent on a le temps, donc pas aujourd'hui puisqu'on sera pas là, on a commencé à se refaire les Chevaliers du Zodiaque. Ah la vache, ça vieillit, mais ça a pas si mal vieilli que ça, hein. En ce moment le programme c'est ça. Après, quand on regarde pas quelque chose ensemble, souvent j'en profite pour essayer de regarder les vidéos des copinettes, mais le soir, souvent, je suis trop fatiguée, donc je m'endors dessus. Donc je regarde plus facilement le matin. Avant d'aller bosser, je me mets une ou deux petites vidéos en fonction du temps qu'elles durent. Souvent, les vidéos de Kiki, je mets 2 jours à les regarder. Hein. Certaines de l'heure aussi, hein, parce que ça dépend à quelle heure je commence. Hein. Mais ouais, j'essaye. C'est compliqué hein, de regarder. Bon, l'avantage, c'est que je peux retrouver la vidéo et puis regarder la fin après. Ça me fait du suspense. Et piou piou. Bien joli, mon petit piou.
Ah là là. La gorge prise, ça m'agace au plus haut point. Même si ça s'éclaircit, j'ai l'impression, ça y est, mon corps s'est rendu compte que j'étais levée. Il en a fallu du temps, hein. Une heure. Une heure et demie même, je dois être levée depuis 8h30, le temps de prendre le petit déj, tout ça. Ça m'a fait rire. Non mais, je repense aux bêtises des filles. Elles cherchent aussi. Hein. Elles savent que le week-end, en général, le dimanche matin, on aime bien avoir un peu de calme. Le samedi aussi, mais ça a déjà commencé hier. Hier, Alouina était déjà casse-pied. Bah, si elle continue à être casse-pied comme ça va pas le faire longtemps. Hier soir, elle était chiante. Elle a pas arrêté d'aller emmerder sa soeur dans sa chambre. Je me dis, qu'est-ce que t'as pas compris? Non, c'est l'heure d'aller se coucher. Bah, 8 ans, c'est toujours pas ça. Elle va avoir 9 ans l'année prochaine, enfin en mars. Si elle continue à être toujours aussi chiante, pénible quoi. Faut qu'elle apprenne à respecter les autres, c'est bon. Hop. Pour mon piou piou. C'est fou hein, parce que quand je regarde dans la caméra, j'ai l'impression qu'il y a zéro lumière. Alors qu'en fait, moi, la toile, elle est hyper lumineuse. Mais le soleil passe de l'autre côté de la maison ou se couvre à moitié, là, on perd quand même en lumière. Enfin bon. Pardon. On n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Bon. Or, pénible, hein. Hey, ça a l'air d'aller mieux au niveau de la voix. Non, il y a un truc qui me gêne. Oh non, j'ai pas envie d'être malade pourvu que ce soit pas ça. Bon, après, on va dire que personne n'a envie d'être malade, mais là, pour le coup, j'ai pas envie. Hein. Moi, j'ai pas le temps. Genre, on va me demander mon avis. Bah écoutez, si on me le demande, vous direz que je n'ai pas le temps d'être malade, hein, parce que là, c'est bon. Voilà. On va finir le fil tranquillement, et puis après, bah, on va repartir pour combler un peu le fond. Mais voilà, la petite ligne sera faite. Et mon piou-piou aussi. Donc là, au moins, aujourd'hui, on aura fait un piou-piou. Pour ça, ouais, j'emmènerai bien la toile. Comme ça, je vais faire un peu de fond là-bas. Déjà, j'aurai le temps d'en faire avant qu'il n'arrive. Parce que mon beau-frère, il a des ados à demeure maintenant. Bon, qui ne sont pas de lui, hein, mais ce sont les enfants de sa compagne. Et... ah, pour les presser, pour qu'ils se préparent, c'est lent. Après, c'est comme ça qu'elle les a laissés faire, on va rien dire. Ils sont quand même hyper bien élevés. Hein. Non, j'ai un fil plus court que les autres, donc non. Ils sont très très bien élevés, très polis, très agréables. On peut discuter avec eux. Enfin, franchement, non, ils sont bien, hein. Je vais pas dire le contraire. Mais c'est vrai que... le coup du lever. Et on doit partir à 11h30. Et 11h15, ils sont toujours pas levés. Ça va être compliqué. Souvent le cas. Après. L'adolescence est une période assez complexe. Dirons-nous. Hop. Et on repart sur le fond. Hein. De toute façon, il faut bien. Hop. Et je vais séparer mes trois fils pour être sûr que mes croix soient bien gonflées parce que pour le fond c'est toujours mieux. Je ne sais pas forcément à chaque fois mais je sens les fils un peu maigrichons là, je sais pas.
Oh, et puis ça prend pas non plus 2 heures à faire. Voilà, on est reparti. Alors. Le petit fond en truc et papate. Et maintenant, c'est parti. On est parti. Hop là. Comme souvent, c'est pas que j'ai plus rien à vous dire, c'est que je suis partie. Je suis plus là. Mon cerveau est parti dans les méandres de la toile et des fils. Ça se brode tellement bien qu'on en oublie de discuter. Non, en vrai, je suis fatiguée quand même, hein. Je vais pas vous le cacher. On a bien bien travaillé avec Chérie. Donc forcément, j'ai encore un peu mal au dos. Le reste, ça va. Mais non, on a bien travaillé, donc forcément. Ça se ressent, on va être un peu fatigué aujourd'hui, un peu mou. Mais bon, on va profiter de la journée, puis c'est tout. De toute façon, ce que j'ai, je préfère qu'on ait eu tout fini hier plutôt qu'on soit obligé de terminer ce matin et ben d'arriver crevé là-bas parce qu'on a bougé des trucs dans tous les sens. Là, au moins, on a tout fait hier. Pris une bonne douche, repos absolu au dodo. Ah, d'ailleurs, c'est ça, faut que je ressorte de ma mallette. J'ai terminé mes deux derniers dessous de verre citrouille que j'avais commencé il y a un petit moment. Donc là, il faut que je ressorte ça de ma mallette. Que je prépare mes couleurs pour mes dessous de verre panda que je vais attaquer. Je ramène la mallette ici, je vais peut-être faire ça juste après, avant d'attaquer la toile. Bonne idée, moi je dis. Je vous mets en pause une seconde, hein, je reviens. Voilà. J'en ai avalé quand même de la poussière hier dans le garage. On a passé le balai et puis finalement il y a des trucs. J'avais encore plein de poussière de travaux. Faudra j'ai passé le balai à l'étage aussi. Dans la future extension de chambre chérie. Bon, on verra ça après. Ça après, oui, on verra ça plus tard. Mais là, je suis contente, c'est que c'est propre, rangé. Ça fait plaisir. Là, là c'est pareil, ce côté-là va avancer tranquillement. C'est ça, je vais l'emmener chez mes beaux-parents tout à l'heure. Je vais emmener mon tout petit cadre aussi avec.
Et puis on verra si j'arrive à l'avancer là-bas. Là, je ne sais même pas si je vais utiliser le mini. Que snap, je verrai. Je vais l'emmener et puis on verra. Ça mange pas de pain. Le soleil, bah, il est en train de tourner très vite. On a l'impression d'avoir avancé dans le temps, là. Bah tiens, d'ailleurs, le changement d'heure, c'est pendant 15 jours. Ah non, elle est derrière moi. Je dis mince, qu'est-ce que j'ai fait de ma tablette? Je la vois pas. Je l'entends. Elle est repassée en mode jour. J'entends, mais je la vois pas. Bon, j'aurai un peu de retard pour commencer le sale défi de notre enfin héros de notre enfance. Mais je vais changer de toile par rapport à celle qui était prévue parce que je vais pas avoir le temps. J'en avais prévu une, mon point compté, je vais pas y arriver là à la commencer. Je vais voir autrement, je ferai ça. Pardon. Je vais y réfléchir. Je me laisse le temps. Je la commencerai pendant les vacances. Donc on verra à ce moment-là. Hop. Là. Je vais tourner mon fil. Et puis je vais commencer à fermer mes points. Moi, ouais, je pense que je vais pouvoir en refaire deux. Puis après, on va changer de fil. On va aller chercher l'autre. Il va falloir que j'en ce montage du vlog de demain. Je l'ai pas encore monté. J'ai fini de le filmer vendredi. On est dimanche, il n'est pas monté. Tout va bien. Non, hier, je vous avoue qu'avec tout ce qu'on a fait, j'ai pas eu le temps d'aller voir mon ordinateur. J'ai juste filmé ma vidéo le matin pour être sûre qu'elle soit faite parce que je me suis dit qu'après, au niveau timing, ça allait être serré. Mais sinon, voilà. Hein. Tac. On va mettre le dernier fil. Et puis après, il va falloir aller lever les enfants. Mon Dieu, mais pourquoi donc? Pourquoi tant de haine? C'était bien le calme pourtant. C'est toujours comme ça, dès qu'on a un peu de calme, faut le laisser partir, s'éloigner, tout ça, tout ça. Quelle tristesse. La fille qui déprime. Non, en vrai. Mais ça veut dire aussi que, enfin, que je mette une machine en route, tout ça. Que je reprenne ma vie de maman pour quelques heures. C'est dur. Hein. Non, j'avoue, je suis un peu fatiguée ce matin. Mais je vais voir, je vous dis, ouais, je pense que je vais emmener cette toile tout à l'heure. Je vais mettre une petite paire de ciseaux avec. Parce que je suis capable de l'emmener sans ciseaux et là, ça va être plus compliqué quand même. Hop, et bah écoutez, les amis, j'entends le monsieur qui bouge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis contente, on a fait piou piou. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, la pinée. Et sinon, on se retrouve dès demain, peut-être. Je sais même pas encore quelle vidéo je vais vous mettre demain. On va voir, ça va être la surprise.
Allez. Je vous fais des bisous. À très vite. Bye bye.